Bonjour à tous, bienvenue dans ce runner. Ça y est, aujourd'hui c'est le grand moment, le moment des défis. Ça y est, on avait fini les tâches la dernière fois de Harvest Corp. Donc bah, je suis resté sur place parce qu'il y a deux défis à faire ici. Enfin, du moins, j'en ai que deux pour l'instant. On a l'eau, ça mouille, ce qui est logique. Et on en a un autre qui est par là, je crois. Ouais, cercle mystérieux, il faut faire le tour de ce truc là. En moins de 5 minutes également, je pense. On va commencer par l'eau, ça mouille. Elle est juste à l'entrée, on voyait, hein, ça fait plusieurs fois qu'on passe ici et qu'on voit un petit truc jaune là-bas. Bah écoute, c'était ça du coup. C'était bien un défi. Donc on va commencer par ça. J'ai pris le taïga. J'ai mis aucun module, me disant que ça devrait à peu près le faire dans cette zone marécageuse. Mais ça, on ne saura pas avant d'avoir testé. Donc, on va passer déjà l'aprem. Pour bien qu'on puisse voir tout ce qui se passe. Et puis, bah, je vous propose de lancer tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, j'aurais presque pu. C'est parti là, ou pas? Ouais, c'est bon. Donc, on a 5 minutes pour faire tout le tour. Alors, on va essayer déjà, dans un premier temps, de passer un peu n'importe comment. Pour voir un peu comment ça se passe. Et si jamais ça se passe mal, bah, après, on essaiera de réfléchir. Sachant que, oui, effectivement, il ne faut pas défoncer le véhicule. Ça serait un plus. Et là, je ne sais pas si ça passe là. Si, là, ça a l'air d'être bon. Ensuite, où est le point? Là-bas. D'accord, on va repasser là. Alors, je ne sais pas s'il faut les faire dans l'ordre. Alors là, on va passer ici. Pour l'instant, dans le marécage, il a l'air de relativement bien s'en sortir. On va juste faire gaffe à pas prendre de souches, si jamais il y a des souches là au milieu. Je suppose qu'on repart à droite après, non? Ah, pas du tout. On repart tout droit. Bah écoute, let's go, hein. On a dit qu'on faisait un premier test sans trop se poser de questions. On va peut-être se poser un petit peu de questions quand même. Hop, on va passer par là. Ouais. Après, en vrai, je suis pas certain que ça passait pas tout droit. Hein. Mais bon, je pense qu'on a quand même le temps, non? Ouais, on a 1 minute en vrai, ça devrait le faire. Hein. Et ensuite, on va où, s'il vous plaît? Ah, ensuite, c'est derrière. Il fallait que je les fasse dans l'ordre ou pas, hein? C'est une très bonne question. J'en ai absolument aucune idée. Oui, parce que sinon, je pense qu'ils apparaîtraient tous sur la carte, les points. Donc, je pense qu'effectivement, il fallait les prendre dans l'ordre. Alors, attention. On va passer par la route. Il y a une espèce de route là. Écoute, pour l'instant, bon choix de véhicule. Ça a l'air de bien se passer. Ok, bah écoute, je vais suivre la route. C'est ça. Ah, mais ça a l'air d'être bon, hein. Mais est-ce qu'on pouvait suivre la route tout le long ou pas, hein? Enfin, je parle de route, je parle des traces, pardon. Je m'exprime mal, hein. Je parlais des traces. On a combien là? 2 minutes. Ok. Exceptionnel. Puis là, pareil, je recoupe. Ah, mais c'est fini! Bah, l'eau, ça mouille en 2,21. On dirait que vous n'avez aucune pitié pour votre propre camion. Passez au garage et on vous le nettoiera. Ok, 600 d'XP et 2800 d'argent. On avait vraiment 5 minutes pour faire ça. Bah, c'est plutôt cool, hein. En même temps, on utilisait un camion incroyable. Donc, ça ne m'étonne pas qu'on ait réussi. Alors, l'autre, hein, c'est parti. Cercle mystérieux. Bon, voilà, ça y est, on est arrivé. J'ai fait un peu le circuit. Donc, oui, hein, il faut qu'on fasse le tour, évidemment. En vrai, là, le tour en 4 minutes 20, je sais pas trop, hein, c'est pas dit que ça se passe nickel du premier coup. Si jamais ça passe pas en taïga, faudrait qu'on prenne un camion plus rapide, mais plus rapide, c'est un peu plus compliqué à piloter. Donc, bah, écoutez, on va faire comme d'habitude. On va commencer par y aller au feeling, hein, et puis advienne que pourra. Allez, en route. On a déjà perdu combien de temps? 2 secondes. Ah, si on est à 2 secondes près, en vrai, c'est dommage, hein. Mais bon, on va tout faire pour que ça marche bien. Normalement, on est sur plutôt un bon véhicule. Alors, c'est pas le plus rapide qu'on ait, mais en termes de... Il est un peu tout, quoi, ce véhicule. Il est assez polyvalent, donc j'ose espérer que ça va passer comme ça. Sinon, on partira peut-être avec notre Loadstar qui est très rapide, mais par contre, j'ai peur qu'il soit un peu juste dans les parties boueuses. Donc, on verra bien ce que ça dit.
Sachant que moi, 4 minutes 20, en vrai, ça me paraît court pour faire le tour de ce truc, mais. Mais peut-être pas, hein. Faut peut-être qu'on fasse un peu attention à ce qu'on fait. Donc là, on est sur une partie qui monte en plus. On va essayer de se mettre pas trop sur la route. Parce que c'est en étant sur la route qu'on perd le plus de temps, j'ai l'impression. Ici, il faut qu'on monte. Ouais, on va passer sur la gauche, hein. Sachant qu'évidemment, si on se retourne, c'est perdu, hein, on est d'accord là-dessus. Allez, voilà. Déjà, on s'est arrêté. Bravo, quoi. Allez, on reprend. On a combien, là? Oui, 1 minute 24. En vrai, c'est pas fait, hein, 4,20. Hein. Alors, attention. Passage un peu compliqué. Il faut un peu de... Ouais, c'est pas mal. On s'en est pas mal sorti. Oh, ça, par contre, c'était pas prévu. Que je pète le réservoir. On va couper par ici. Hein. On va pas passer dans l'eau. Allez, là, on peut reprendre la piste, je pense. Ça devrait le faire. Nickel. Pas certain qu'on soit parti. Oh là, bah là ça se passe mal là. On aurait dû couper par le dessus. J'y ai pas pensé. Ouais, on aurait dû couper, il y avait une route au-dessus. Je suppose que c'est à gauche là. Hein. Ouais, c'est ça. Et... Je me suis trompé de touche, mais ouais. 2,29 là. Pas dingue, hein. Alors là, est-ce que je peux passer sur le tronc là? On a fait deux erreurs, à mon avis. C'est ce qui va nous faire perdre les quelques secondes qui va nous manquer. Donc on peut faire mieux déjà. Hein. On sait déjà qu'on peut faire mieux. Est-ce qu'il y a des souches ici? Non, c'est plutôt ok. Allez, on file là. On essaie de pas trop casser le véhicule. On ralentit à peine au niveau des virages. Ici, ici, on va passer par la gauche. Ouais, ouais, c'était prévu. Je me suis pas assez déporté. Et là, c'est par où? C'est par là-bas. Allez. On en est où, là? 3,20. Il nous reste une minute. Est-ce que c'est le dernier ou pas? C'est le dernier, ça va passer. Sinon, ça va être compliqué. Hein. Je ne sais pas si c'est la ligne d'arrivée. En même temps, c'est marqué, non? Ah, si, passer la ligne d'arrivée. En vrai, hormis une grosse catastrophe, ça devrait le faire. Ah, bah voilà, nickel. 3,43, 520 d'XP, 2200 d'argent. GG. Ah, bah dis donc, c'est passé du premier coup. Incroyable. Bon, bah ça, c'est fini. Hein, je crois que ça, c'est OK. Hein. Il me semble bien. Il n'y a plus rien là-dedans. Il y a voir au niveau des tâches, pardon. C'est pas du tout ça. Les défis, pardon, c'était pas du tout les tâches. Ouais, c'est bon. Harvest Corp, c'est terminé. Qu'est-ce qu'on fait? On va un petit coup en Terre Centrale ou pas? Allez, on continue là-dessus. Hein. On va peut-être faire, encore ceux de Terre Centrale. Hein. On verra si après on fait pas deux épisodes, sinon ça va être un peu long. Bah écoutez, ce véhicule, je vais le récupérer. Tac, j'ai en profité pour prendre lui aussi. On sait jamais. Et puis, direction carte globale, direction Terre Centrale. Là. On va être chronométré pour charger le truc dans le... pour charger la cargaison. Pas cool, ça. Eh ben, accepté, c'est parti. Sans de dégâts max, hein, on l'a dit. Va falloir aller doucement. Alors du coup, on l'a déjà pris pas mal de fois cette route-là. Je ne sais plus exactement où est-ce qu'on se prend des dégâts. Mais je suppose qu'on s'en prend un peu partout. Ou c'est peut-être dans le passage où il faut traverser la rivière, là, où on se prend pas mal de dégâts potentiellement. Je sais pas. En tout cas, va falloir qu'on soit vigilant à... Oh non! Ça, c'est moche, par contre. Va falloir qu'on soit vigilant...
efficace surtout, c'est plus ça que je voulais dire, pour charger le truc dans la dans le véhicule. Hein. Ah, d'accord, ça commence vraiment bien. On aurait peut-être mieux fait de prendre le, à nouveau le Taiga. Hein. Mais je crois que le Taiga ne peut pas prendre de grue. Ou peut-être le B là. La version B, peut-être qu'elle peut prendre une... Elle peut prendre une remorque et une grue, je ne sais plus. Alors là, normalement, on devrait arriver... Regarde le truc. Alors attention, let's go. Fait... Frein à main, tac, non, tac, mode grue. On sort les ancres. On lève en même temps. On le prend, on le lève, on le tourne. On le met là. Voilà, c'est à peu près bon, on peut empiler la cargaison. On réinitialise la grue et on repart. En vrai, on en a combien là? 1 minute 55. En vrai, niveau chargement, on était vraiment pas si mal. Hein. Donc je pense qu'on a le temps, faut juste qu'on fasse gaffe en fait aux dégâts. Hein. C'est ça qui va nous foutre dedans en fait là. Après là, l'avantage qu'on a, c'est que le début de la... le début du défi, il est vers le garage. Et ça, ça j'avais pas pensé à faire ça, mais ça c'est extrêmement cool. Hein. Alors, on essaie d'éviter les cailloux parce qu'il a l'air d'être relativement sensible. ou alors, faudra, après, comme on a le temps, après on pourra peut-être prendre un camion un peu plus bourrin. Hein, si jamais ça passe pas là en 7 minutes. Parce que du coup, j'ai l'impression qu'au niveau timing, ça va être large. Et c'est plus au niveau dégâts où ça va être un peu tendax, mais on va voir. Aïe. Doucement. On n'est pas à l'abri d'une surprise là en passant par là. Je pense que c'est là le passage qui craint le plus. Hein. Après, en vrai, ça devrait le faire. On va pas s'acharner à le faire le plus vite possible. On va juste essayer de récupérer la, la médaille, la coupe en or là, ça serait parfait. Oula, ça se passe mal là. La flûte, c'était pas un... Ah mais il n'y a pas de... Bah ça c'est con par contre. Faut que je recule, faut que je fasse quoi là? Bah je pensais pas que je pouvais rester bloqué là. Alors attends, on va reculer un peu. C'est étrange ça de rester bloqué là. C'est bon, on est revenu sur les... ouais, je crois qu'on est revenu sur les bouts de bois là. Attention les dégâts. Parce que ici par contre, on s'en est déjà pris pas mal. Ok, c'est plutôt ok. Oh! Ah bah je pensais qu'il allait galérer à passer ici en fait, c'est plutôt bien. On a 4,37 hein. Donc effectivement, donc là on peut prendre largement le temps. En vrai je pense qu'on est large niveau timing, mais oui oui on est super large, on va, super, on va faire super gaffe. Mais là en vrai on est large. Il devrait pas y avoir du tout aucun souci au niveau du timing. On avait 7 minutes, ça m'a fait peur, je me suis trompé de touche. Ça m'a éclaté les oreilles. Là, en vrai, j'allais pas trop vite. Allez, on tourne. Et on livre ça là. Hop. Allez, nickel, livraison spéciale. Merci pour votre aide, on apprécie. C'est pour vous. 350 d'XP, 4500 d'argent en 5,21. Bon, bah, il n'y avait pas trop de difficultés. En vrai, ça va.
Ou alors on est extrêmement, extrêmement fort. Je pense qu'il n'y a pas de difficulté. Alors, une mission épouvantable. Et j'ai quelque chose de bizarre à vous demander. Nous devons enlever tous les vieux épouvantails du champ pour pouvoir passer le tracteur. Et plus vite ce sera fait, mieux ce sera. Ça vous dit? Ça, c'est une mission qui m'intéresse. Voilà, ça y est, on est arrivé. Alors, j'ai bien mis les points. Mais ça, je crois que j'avais déjà fait avant sur tous les trucs. On a combien de temps pour faire ça, là? 2 minutes 30? Ah ouais. Ah ouais, pas simple, hein. Le premier est devant moi. Après, faut faire demi-tour et tout ça. Allez, on y va. C'est parti, mon kiki. 2 minutes. Sachant que le camion là-dedans, est-ce qu'il va prendre des... est-ce qu'il va prendre des dégâts? Ah, déjà, j'ai pas l'impression, c'est déjà pas mal. C'est pas mal le fait d'avoir mis des indications là sur le... Oh, je l'ai raté. Ah, je l'ai raté, quel con. Oh, je l'ai encore raté. Ah bah là, par contre, ça va être compliqué si on fait ça à chaque fois. Ça va pas être simple. Le prochain est devant ou pas, hein? Ouais, c'est ça. Ah, par contre, oui, on prend pas de dégâts. Le prochain est où, là? Ok. Ok, le prochain est de l'autre côté. Il faut pas les rater quand même, hein. Ils sont pas bien larges, hein. Une minute. On a bien fait de prendre un véhicule qui tourne bien quand même, hein. Ligne d'arrivée. Oh, 1:33, mais on était tellement large. J'ai une mission épouvantable. J'espère que vous vous êtes amusés aussi. Bien joué d'ailleurs. Prenez ceci, 375 d'XP, 375 d'argent. Ouais, en vrai, ça aurait pu être mieux payé, hein. On a fait le taf quand même, hein. On était large, large dans les temps, hein. Tâche, non, la course aux courses, c'est une fausse tâche, on l'a déjà fait. Où sont les défis, là, hein? Attends, on va être obligé d'aller voir dans le profil. Je suis trompé de touche. Alors. Ah bah, Terre Centrale, c'est fini? Ah ouais. Ah bah, en vrai, on va continuer à en faire un quand même, non? On fait quoi? Croisement ou l'Institut? On va aller au croisement. Allez, on récupère. Bon, voilà, voilà le plan. Et j'ai pris la Zeuve Sprinter, je sais pas. On n'a jamais trop réussi à faire quelque chose avec lui, mais on va essayer de faire ça. Parce que bah, ça change un coup. Donc voilà, faut qu'on passe par tous les points de contrôle en 4 minutes. Bah, comme d'habitude, on y va avec la confiance. Et on verra si c'est ok ou pas. Alors, c'est bien démarré, j'ai bien vérifié. Oui, parce que comme j'ai plus la TH... c'est déjà arrivé que je parte, hein, pour un défi alors que je ne l'avais pas activé. Et du coup, ça marche beaucoup moins bien. Alors du coup, par contre, là, ça va être pas simple, hein, de passer, de contourner tous ces trucs-là. Mais on va essayer de faire au mieux. Sachant qu'on n'a pas non plus un temps illimité. Donc on va essayer de passer par des endroits genre un peu détournés. Et là, ouais, là, ça va être compliqué, hein. Passer par le bas, tant pis. Je voulais éviter. On remonte. Yes. Ce véhicule, faudrait pas qu'il... Ah, mais il y a une mini-route quand même. Aïe, 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 aïe. Ouais, j'ai vu. J'étais mal embarqué. Allez, c'est pas grave. Ça va le faire quand même. Ah, on essaie de pas trop... de pas perdre trop de temps en passant par la route. Ici, comment on fait? On va passer juste là, ouais.
attention de ne pas se retourner. Yes, non, on peut pas passer par là. On va passer là. Aïe. Allez, on va reprendre la petite route sur le côté. Là, ça paraît ok. Alors, il faut aller vite, mais pas trop, hein. Alors, à mon avis, on va être court, peut-être, niveau temps. On va tourner ici. Et là, après, je sais plus où il faut aller. On va passer là au milieu. On va bien voir ce que ça dit, hein. Et alors, quelques traces ici. Ok, là on va retrouver quelques traces, c'est pas mal. Attention, on commence à avoir beaucoup de dégâts par contre sur le véhicule. Et là, celui-là, il va pas être simple à avoir, hein, là, de points. Alors, ils disent de faire ça comment là? Ah, mais ça va, en fait, c'est pas totalement au bord, hein. Je m'y suis mal pris. Je vais passer tout droit ou pas, hein? Peut-être. Hein. On est à combien là? 3 minutes. Aïe aïe aïe. Pas simple. Hein. Ouais, on s'en est bien sorti là. Et là, on va pas prendre les cailloux par contre. Attention ici, ça penche beaucoup. J'aurais dû passer par la droite. Voilà, c'est pas mal fait. C'est plutôt bien joué. Mais je crois que j'ai encore un point à aller voir après. Ça va être beaucoup trop court, non? Ah oui. Attention les souches. On va couper par là, mais là je suis pas sûr de moi. En vrai, on a été plutôt efficace. À mon avis, il va nous manquer un petit peu de temps. Mais en vrai, je vois pas trop où c'est qu'on peut en récupérer là. Hein. Ah, est-ce qu'on a trop cassé le véhicule? Oula. Ah, en vrai, je suis plutôt fier de moi. Alors, ça va certainement être au-dessus des 4 minutes. Ah ouais, 4,24, c'était 4,20. Ah, bronze. Ah ouais, non, bronze, c'était... on devait faire beaucoup mieux, en fait. Et voilà. Ah, bah attends, du coup, j'ai plus le truc. Rallye. Ah, faut que je retourne là. Ah non, je peux voir ici, je crois. Ah non, je peux plus. Je peux plus le voir. Faut que je retourne au début. Ouais, bah écoute, vas-y, je retourne. On va repasser par la station. Et puis on va aller là. Eh ben, voilà, ça y est. On arrive. Bon, alors, on recommence. 4 minutes. C'est parti. On va essayer de faire mieux. Sachant que j'ai plus les... j'ai pas refait les points GPS. Incroyable par contre ce qu'on se prend comme dégâts. Ce passage-là, on perd beaucoup de temps. Hein. Faut que je ressorte de là, en fait, rapidement. Pour aider, hein, éviter de prendre des dégâts. Et pouvoir aller plus vite. Hein. Aïe. Ah non, c'est bon. J'ai cru que j'allais prendre des dégâts sur le caillou. Allez. Allez, vas-y, mon petit. N'est pas mal. Je suis ultra concentré, c'est pour ça que je ne parle pas. Ok, là maintenant on connaît. Il faut qu'on passe par là. Et là, faut que je ressorte vite. Aïe, aïe, aïe. Les dégâts, vraiment très important de ne pas en prendre. Si tôt dans le trajet.
Tiens, on va essayer de passer par là. C'est ce qui a l'air indiqué. Parfait, on évite les cailloux. Pas facile à piloter hein, par rapport au véhicule là. C'est vrai qu'il est vraiment rapide hein, par rapport au véhicule qu'on a l'habitude de conduire et du coup c'est pas simple. Et après on va voir le truc au milieu de la flotte. Là on est déjà à combien là? 2 minutes. Ah ouais, à mon avis on va être sur le même temps. Hein. Il me semble qu'on était à peu près pareil tout à l'heure. Hein. Ah, faut pas que je me rate. Tout à l'heure, je me suis raté ici. On va prendre un peu plus large. Mais sachant que lui, il tourne mieux. Ouais, nickel, c'est pas mal. Ah, t'arrêtes pas, mon petit. Allez, le passage un peu compliqué, peut-être pour lui. Ça va, il s'en est bien sorti. Ici, faut pas que je rate non plus. Faut que je reste à droite hein. En espérant qu'il n'y ait pas de souche ou de truc là. Ouais, ça va, j'ai l'impression que c'est passé. S'il y a peut-être de la boue, on va ressortir vite fait. Aïe, j'avais pas vu la souche, erreur de pilotage. Et là c'est pareil, on va couper en essayant de ne pas tomber par là. Les dégâts commencent à être importants sur le véhicule, il faut faire attention. C'est un défi qui met les véhicules à rude épreuve, j'ai l'impression. Allez, on essaie de bien rester maximum collé sur la terre ferme pour éviter de prendre des dégâts. Ouais, là c'est pareil, tout à l'heure on a fait la même boulette. Est-ce que ça fait 4 minutes ou pas trop là? Oh, 350, super, félicitations, GG, là, 570 XP, 560 d'argent. En vrai, c'est bien joué, on a dû s'y reprendre à 2 fois, mais c'était plutôt ok, j'ai bien aimé celui-là. Il était un peu chaud par rapport aux autres, hein. Mais c'est cool, bien cool celui-là. Rallye local. Alors, point de contrôle. Oula. Ah bah dis donc. Et là, c'est chiant un peu, là. Là, c'est une blague, là, non? Faut faire demi-tour, je pense, non? Ou il y a peut-être un machin où tu peux sauter, ça serait stylé, ça. Ok, alors. Ah, il est là, le rallye local, d'accord. Ben, le garage est où? Le garage est là. On a combien de temps pour faire ça? 3 minutes? Ah ouais, 3 minutes, c'est pas beaucoup. On va repartir peut-être direct avec le Loadster. Hein. Le garage est là. Oh là là, c'est loin. Bon, voilà, ça y est. On est arrivé, j'ai remis les points GPS. En vrai, en 3 minutes 20, ça semble pas fait. Hein. Mais bon, on va essayer. On va prendre la même stratégie que ce qu'on a depuis le début, c'est-à-dire faire de notre mieux, et normalement ça devrait le faire. C'est bien, j'ai bien lancé le truc, c'est bon. Allez, on y va, on commence par 150 mètres par là. On va essayer de prendre un maximum, pas la route, hein, pour éviter de se faire avoir. Ah, par contre là, fallait peut-être faire autrement. Là. Ah, c'est pas dingue. Hein. C'est pas dingue ce qu'on a fait là. Allez, on va essayer de se... Ah, mais il y a encore une fausse piste, là. On va essayer de ne pas prendre la route. On va essayer de rattraper un peu les erreurs qu'on a commencé par faire. Allez. Ce n'est jamais perdu. Je suis ultra concentré, hein. Aïe, aïe. Pas simple, hein. C'est vraiment pas simple cette histoire de route là. Ouais, là c'est
c'était pas mal géré, je pensais au début, mais en fait, non, c'était nul. Aïe, que se passe-t-il là? On va passer à droite, là. On est à combien, là? 1 minute 30. Ça va être compliqué, hein. J'ai repassé de l'autre côté, non? Là, ça va être compliqué. Il faut qu'on passe à droite. Ouais. Ouais, pas mal. Bien évité le... Oh, faut que tu crois qu'il faut que je passe au-dessus? Ah ouais, ça, j'aimerais bien. Je suis pas sûr que ça passe, hein, par contre. Joli. Plutôt pas mal, non? La flûte. J'ai éclaté le véhicule, là. Vas-y, en vrai, c'est pas grave. Est-ce que je vais arriver à traverser? Ouais, pas mal. Et puis après, faut encore faire ce point-là, puis filer vers l'arrivée. Je ne me rappelle plus où il est. Il est là-bas. Allez, on reprend la route. Attention de ne pas complètement finir le véhicule, par contre. C'est pas mal, ces espèces de traces de parcours, là. Aïe. Oh non, on va échouer à 5 secondes. 1, 2, 3... 4, 5... Oh, 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 la vache! Rallye local, c'était impressionnant. Rien de cassé. Bref, voici ta part. 500 d'XP, 500 d'argent en 3,19. Ben, c'est ce qui s'appelle arriver sur le fil. C'était pas mal. En vrai, celle-là, elle était vraiment pas mal. Hein. Le défi, là, j'ai assez bien aimé. Qu'est-ce qu'il nous reste? Le rallye local, c'est fait. Alors, montre-nous. Défi... croisement, c'est fini. Ouais, c'est ça. Il nous reste l'institut. Ben, quand on va le récupérer, hein. Tac. Oui. On va le mettre là et on va partir vers l'institut. Donc, l'institut, déjà, il n'y a pas de garage. Ok, c'est noté. Où sont les défis? Est-ce qu'on les a? Alors, ce côté, le courage est une vertu. Alors... Qu'est-ce qu'il faut faire? Dégâts maximum autorisés, 30. Allez à l'arbre abattu. Atteignez la côte du fleuve et atteignez le rivage. Ah ouais? Ah mais faut qu'on aille là, non? Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on a un véhicule qui est déjà par ici ou pas? Ah, potentiellement on a lui, le Ford. Alors, je suis pas sûr qu'il arrive en 30 secondes, mais en vrai... Si on peut essayer avec le Ford, c'est toujours ça de prix, hein. Ça nous évitera de ramener un véhicule. Alors voilà, ça y est, on est arrivé. En vrai, je pense avec le Ford, ça va pas le faire. Hein. Bon, on perd rien à essayer, évidemment. Mais je pense que ça va être chaud parce qu'en 30 secondes, ça m'étonnerait qu'il y arrive, quoi. Allez, on accepte. Et puis, ouais, tu vois, déjà, je me suis déjà planté. Bon, bah, s'il nous manque Ouais, on a déjà perdu 5 secondes sur les 30. C'est juste énorme, hein. Donc on va être obligé de ramener, je pense, notre Lodestar. Hein. Parce que là, en plus, il va prendre des dégâts, je pense, le truc. Ouais, il arrivera jamais en 30 secondes. Je suis même pas sûr qu'on ait le truc en 40 secondes, quoi. C'est abusé. On est déjà à combien? 35, 40, ouais, 42, le truc est mort. Ouais, c'est normal. Ok, bon. Voilà, ça y est, je suis arrivé. On va retenter, je peux pas mettre... Ouais, meilleur temps actuel, 43, c'est autant dire que c'est nul. Hein. Allez, on démarre.
Et on part tout de suite. Donc là, on est déjà pris un meilleur départ que tout à l'heure. Après, en vrai, c'est pas non plus hyper rapide hein, comme départ. Hein. Donc, je sais pas avec qui j'y vais. Et sachant que là, faut pas se prendre de dégâts parce que tout à l'heure, on allait pas trop vite. Enfin, on allait déjà vite, mais pas incroyablement vite avec le Ford. Mais du coup, faut essayer de pas prendre de dégâts et lui, il va se retrouver planté là aussi. Peut-être si tu... on pourra réessayer en passant en vitesse lente peut-être. Peut-être que ça passe mieux quand même parce que là on est déjà à 40. Ouais, c'est pareil, on va se retrouver avec le même temps. Logique. Hein. Bah oui, 43. Alors voilà, ça y est, on est arrivé, tant bien que mal. Donc là, normalement, la route, hein, ça sera sans surprise un truc genre comme ça, passer là, puis ensuite aller là. Donc ça, c'est facile, on a 3 minutes 45. Il faut déjà pas qu'on mette 3 minutes à charger le conteneur de fret. Je sais pas où il apparaît. Il est barré derrière, ok, c'est bon. Donc on fait ça. Tac, mode grue. On charge le truc. Oh, j'aurais presque pu mettre les ancres. Je peux pas le charger. Ah si, c'est bon. J'ai eu peur. Hein. Empiler la cargaison. Réinitialiser la grue. Let's go. On part. On a déjà mis combien de temps pour charger? 33 secondes. Bah ça va quoi. On n'était pas pressé, hein. Allez, là, on tourne à droite. Par contre, en vrai, en 3 minutes, ça va peut-être être un peu tendax, non? C'est pareil, on va pas prendre la route, là. On va essayer d'éviter ce truc-là. Là, on va être obligé de passer dessus, sinon, à mon avis, ça va trop pencher. Ouais, là, non, je peux pas passer dans l'eau. Tac. Je peux faire passer là. Tant pis, on va reprendre après. Le camion est peut-être pas assez puissant par contre. A mon avis, on va être juste niveau puissance du véhicule. Hein. On va voir ce que ça dit. C'était pas ici qu'on était resté bloqué une éternité avec je ne sais plus quel véhicule là. Fort possible. Hein. Je ne sais même pas où faut aller là. Par là, je pense. Apparemment, c'est par là. Ok, bah pour l'instant, en vrai, là, c'est plutôt bien passé. Je pensais que c'était là qu'il allait avoir le plus de difficultés. Alors, c'est peut-être après où il y a la route qui penche ou je ne sais pas quelle. Je ne sais pas où est-ce qu'il faut que j'aille là. À gauche ou pas? Je pense. Hein. Ah, mais il y a une limite de dégâts aussi. C'est pas du tout la bonne route, non? Pas du tout. Il nous reste quoi? 200 mètres à faire? Ah ouais. On est pas mal si on reste là sur le côté. Là, on passe par où? Par la droite. Ah, ça va tomber. Ouais, c'est normal, j'ai vu que ça allait tomber. J'aurais dû passer par où? Peut-être directement beaucoup plus à droite. Peut-être... On était loin, là? Non, on n'était pas loin. 2 minutes 50, ouais, donc ça va. En vrai, ça se fait assez bien. On va aller redresser le véhicule avec lui. On en profitera pour remettre de l'essence et puis refaire un essai, mais normalement, ça va le faire. Allez, à tout de suite. Voilà, nous voilà de retour. Bon, du coup, on n'a plus que 100 litres de carburant, donc va falloir y arriver. C'est parti, on recommence tout de suite. On perd pas de temps. On recule, frein à main, tac. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Mode grue, on accroche, on met les ancres en même temps, on lève. Là, ça déconne, je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave, voilà. Tac. Je sais pas pourquoi je peux pas faire tout de suite ce que je veux avec la grue. Il y a forcément une seconde où elle déconne. Mais je sais pas pourquoi. Empiler la cargaison, réinitialiser la grue, enlever le frein à main, let's go.
Et là, il y a un monde en fait où on peut carrément couper. Je me suis pas pris de dégâts pour en revenant. Bon, par contre, le retour, je l'aurais certainement coupé au montage, mais en gros, il y a un monde où on pourrait presque passer directement par là en fait. Mais je sais pas si avec la cargaison, ça a passé. Alors, il y a peut-être encore mes traces. Je suis plus sûr de moi du coup. Ouais, c'était là. Là, il y a normalement, il y a un moment, il y a un grand boom quand même. Voilà, ici. Mais en vrai, si ça passe là, c'est pas mal. Hein. C'est beaucoup moins dangereux que par la route, quoi. Voilà. Puis là, je crois que partir de là, on peut reprendre la route sur un peu sur le côté, là. Ouais, c'est pas mal. Là, en vrai, on est super bien niveau timing. On est à 1 minute 25. Ouais, tu m'étonnes, là, on est pas mal. Allez, là, par contre, on va... Si on arrive à faire comme tout à l'heure, en vrai, c'est OK, parce que tout à l'heure, c'est quand même passé comme une lettre à la poste, là, au milieu. Mais je crois que ça recommence, hein. Ouais, ça a l'air d'être bon. OK. Et donc là, maintenant, on ne fait plus de conneries. Allez, let's go. On remonte. Ah, il a l'air de galérer un peu plus que tout à l'heure, je sais pas pourquoi. Ah oui, du coup là on va pas faire le tour, on va passer aussi directement par là. Là j'ai vu tout à l'heure que en revenant que je pouvais passer sur le côté ici. Ça avait l'air d'être OK la route. Ouais, OK, nickel. Là on va rester un petit peu là. Je pense qu'on a dû encore économiser un peu de temps. Ah bah là c'est où on s'est raté tout à l'heure là, donc on va passer directement à droite. D'ailleurs j'en ai profité, bah oui tout à l'heure en remettant le camion sur ses roues, j'en ai profité pour virer les barrières. Je me suis dit que potentiellement c'était toujours ça de pris pour éviter de prendre des dégâts en passant par là. Donc ça c'était plutôt malin. Et là du coup maintenant faut qu'on fasse super gaffe. Parce qu'en vrai on a du temps, on est à 2,47. On a largement le temps de faire 200 mètres en moins d'une minute. Ok, c'est pas mal. On va se dépêcher de reprendre la route. Ouais, ça va le faire, hein, je pense. Ça va être juste quand même. Hein. On est à 3, 8, 11, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18... 19, 30, 31, 32, 33. Ouais, c'est bon, on était large. Je comptais mal, c'est pas parce que je sais pas compter, c'était pour me stresser un peu. Ok, bah c'est ça, ce côté vers le haut. Bah nickel, bon bah ça c'est cool. On a réussi à faire celui-là en deux tentatives, c'est pas mal, en vrai c'est pas mal. Il nous en reste un seul du coup. Alors, de nombreux habitants du coin ont abandonné leur voiture dans la boue en faisant la course dans les marais. Pour ne pas finir comme eux, il est essentiel de garder une bonne vitesse. Ça vous dit de tenter de battre notre meilleur temps. Machin, garage, vous n'êtes pas encore principaux défis, ok. Alors, oui, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Coureur des marais. Alors, atteignez l'accès aux marais. Ok. Non. Alors attends, je recommence, je me suis trompé. Coureur des marées. Atteignez ça, ça. Ouais, ça. Ouais, ça. Ouais, ça. Waouh! Ah ouais, c'est chaud en vrai. Bah d'ailleurs, c'est le tour. C'est le tour qu'on avait essayé de faire là. Bah écoute, let's go, on va essayer en Marshall. En vrai, en Marshall, on a combien de temps pour faire? 3 minutes. En Marshall, en vrai, ça m'étonnerait que ça passe. Mais comme il est là, on va pas faire la fine bouche. Hein. On va y aller comme ça. Hein. Mais c'est un peu une savonnette, hein, le Marshall, là. Mais par contre, c'est une flèche, hein, en vrai. Ah oui, d'accord. Par contre, ouais, il faut pas trop de boue, quoi. En 3 minutes. Peut-être qu'on va le faire en 10. Hein. C'est possible. Hein. Après, on peut très bien partir en vitesse lente hein, à tout moment. Partir en vitesse lente et en blocage différentiel, c'est pas dit que ça marche moins bien.
Donc on va... Ouais, bah c'est pas mal. Écoute, on va essayer comme ça. On va essayer de prendre un maximum de boue quand même. Mais d'ailleurs, on était resté bloqué là avec je sais plus qui là. On était venu avec un camion là. Je crois bien. Hein, ça me parle ça, qu'on soit venu avec un énorme véhicule là. Et par contre, en 3 minutes, les gars, j'ai envie de venir en zik là, non? Parce que là, en vrai, ça va pas être simple là. Bah là, je vais être obligé déjà de passer dans l'eau. Donc déjà là, je sais même pas si ça passe. Oh, bon, en vrai, il a l'air de s'en sortir. Hein. Par contre, je pense pas que je puisse passer en auto. On va être obligé de rester comme ça. Hein. On avance beaucoup plus vite comme ça qu'en auto, j'ai l'impression. La vache, quelle horreur. Hein. On va allumer les phares. Je suis sûr qu'on va plus vite avec les phares allumés. Oh la vache, c'est un enfer. Ah, on est à 2 minutes là déjà. Ouais, grave, hein, on est à 2 minutes. Bah tout droit. Après, rien ne nous empêche d'utiliser le treuil en vrai. C'est pas interdit, mais par contre on est déjà à 2h30 là. Ouais. À mon avis, ça passera juste pas, hein. Parce qu'après on a encore, faut qu'on atteigne ce point puis qu'on reparte à une vitesse folle jusqu'à là-bas. Donc à mon avis là on est marron, hein. 2h48 c'est foutu. Mais en vrai là par contre j'ai presque envie de venir en zik, hein, pour faire ça. Pour passer tout droit quoi. Ah oui, mais il y a encore ce passage-là. Oh là là, c'est n'importe quoi. Oh là là, quelle horreur. Attends, on a mis combien là? Déjà 4 minutes, bientôt 4 minutes. On n'est même pas arrivé à l'avant-dernier point, quoi. Ah bah laisse tomber, je vais revenir en zik hein, jusqu'ici. L'avantage, c'est qu'on n'ira pas vite, mais on n'ira pas vite tout le temps, quoi. Par contre, toi, là, à mon avis, là... ouais, non, même pas. Ou alors en pike, hein. Pourquoi il fait ça, là? Ah, tu vois, les deux derniers défis, là, ils vont nous donner un peu de fil à retordre, hein, je pense, hein. Ouais, ça y est, là, on a une vitesse folle. Hein. Ouf. Ah mais il faut quand même qu'on réussisse à le finir. Ouh. Allez, on a mis combien de temps? 5 minutes? Ah, 4 minutes quand même. Vous êtes trempé, que s'est-il passé? Je plaisante, bien j'ai, voici votre prime pour votre peine. Ok, bah c'est bon. On a terminé aussi celui-là, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait du coup? Coureur des marais, en vrai, moi j'ai presque envie de ramener un pike ou un zik. Hein. De toute façon, je vais les ramener les deux parce que j'aimerais bien utiliser aussi le pike pour essayer de descendre ici. Donc on va se retourner au croisement. Il n'est pas là le pike. Hein. Non. Je vais retrouver le pike et je le ramène pour essayer. À tout de suite. L'arrivée en pike, regardez comme il est rapide. Alors en vrai, j'y crois pas non plus des masses que ça va passer parce que dans la boue, il est pas incroyable. Mais en vrai, il y a moyen que ça passe. Hein. Allez, go. C'est bien parti, yes. Allez, on continue. On connaît bien la route. Hein. On n'a plus besoin de remettre les points GPS. Par contre, je crois... Ah bah super. J'y crois vraiment qu'il peut réussir l'autre défi, par contre, parce qu'il est assez rapide. Hein. Donc en vrai, y a moyen que ça passe. Là, je vais couper. Hein. Pour la défi de la descente à faire en 30 secondes, là, j'y crois déjà un peu plus, par contre.
Mais là, à mon avis, il est pas non plus dingue pour faire cette... Ouais, ça va pas être fou. Non, mais là, faut que je vienne en zik. Faut que je vienne en zik, je pense, ici. Parce que si ça passera pas, il est beaucoup trop lent. Et puis, il tourne pas, quoi. Ça marche en auto ou pas? Non. Oh la vache, ça marche pas du tout. C'est un échec total. J'essaie de passer de ce côté-là du tronc. Peut-être que... C'était pas une bonne idée non plus. Ah, on va vraiment manquer de vitesse là. On a combien là? 1,49. À mon avis, ça passera pas, mais on va quand même essayer. Hein. Ah, c'est dommage parce que toi, des fois, on arrive vraiment à être sur un bon rythme quand même, quoi. Mais j'ai l'impression que ça s'arrête vite, quoi. Ouais, là, il y a beaucoup trop de boue, quoi. Ah oui, c'est chaud. Là, on va remonter sur un truc un peu plus... Ouais, mais on est déjà à 2,30, c'est mort. Pour faire en 3 minutes, va falloir se lever beaucoup plus tôt. Hein. C'est 3 minutes, hein? Ah ouais, non mais là, on y est à 3 minutes. Ah ouais, impossible. Impossible. Je sais pas si... Je sais même pas si même avec le zig ça va passer en fait. Oh là là, quelle horreur. Non mais le pike c'était pas du tout une bonne idée en fait. Hein. Ah mais il va même pas réussir à ressortir de là. Ah si quand même. Oh là là. Le choix non judicieux pour réaliser ce défi là. En vrai, je sais même pas ce que je peux prendre hein, comme véhicule. Parce que là, en termes de pilotage, je sais pas trop ce que je peux opter. De toute façon, les trucs... Ah non, mais ils passent dans la boue et tout, laisse tomber. Impossible. Et à mon avis, le truc, c'est que le Zik, il sera trop lent. Oh là là. C'est un peu triste hein, ce qui se passe hein, quand même. Hein. Là sur la dernière partie on est pas mal mais le problème c'est qu'il y a l'autre partie avant quoi. On est même moins bon non? On va finir moins bon qu'avec le Marshall non? Alors dis-moi. Ah ouais, on est carrément moins bon. Putain, le choix de ses morts. Ok. Qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait que j'aille où? L'autre, il est complètement de l'autre côté. Hein. Bah écoutez, on va refaire une tentative avec le pike là-bas. Sur le courage est une vertu. Et puis si jamais ça ne marche pas, eh ben, je vais essayer avec le Zik. Mais par contre... Je le sens plus capable de faire l'autre défi, ce véhicule-là. On va voir. Hein. Allez, à tout de suite. Alors, ça y est, on est arrivé en pike au niveau de notre défi préféré. Où il faut qu'on descende en 30 secondes le truc et qu'on arrive de l'autre côté, c'est ça. On est à 43 secondes pour l'instant. Dégâts maximum autorisés 30. J'accélère et j'accepte au dernier moment le défi. Tac. Et c'est parti. 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, c'est perdu. Ok, on est à 35 secondes, c'est mieux, hein, c'est mieux, c'est mieux. Mais c'est pas encore ça, je me demande ce qu'on a qui va encore plus vite, en vrai. Bon, nous voilà arrivés avec le Zik. Bon, malheureusement, c'est pareil que tout à l'heure. En vrai, c'est pas mal, par contre, à mon avis, il va être trop lent. Je pense qu'il va être trop lent sur les parties rapides. Je sais pas si la vitesse sur les parties boueuses va nous permettre de combler ça. Je suis pas certain, mais bon, de toute façon, j'ai que ça à essayer, en vrai. Hein. Je ne sais pas ce qu'on peut avoir comme alternative. Oh là là, puis en plus, oui, j'avais oublié que ça tournait pas. Je sais pas trop ce que j'ai comme autre alternative, hein, parce que là, on a essayé un truc très rapide, mais pas forcément efficace sur le... Pas forcément super efficace sur la boue. On a essayé quelque chose de super efficace dans la boue, mais pas très rapide. Et j'ai l'impression qu'il n'y a aucune des deux combinaisons qui va nous sortir de ce problème, simplement. Alors, il faut certainement trouver un... Vous savez quoi? Non, vous savez pas quoi. Est-ce que vous savez quoi? J'ai plus de piles dans ma manette. J'ai envie de chialer. Ouais, on va recommencer, non? Bon, là, on va pas... On va pas insister, là. Hein. Du coup, je peux me permettre de changer les piles tranquille, quoi. Allez, à tout de suite. Allez, nous voilà de retour en Zik. En vrai, pour gagner, je pense, 5 secondes, enfin 2 secondes sur le temps global, je vais essayer d'arriver à fond sur la... sur le défi. Ah bah super, j'ai pas pu le lancer. Incroyable. Hein. Tu peux arrêter. B, fermé. Ah, je peux pas recommencer alors. Ouais, c'est bon, ça a recommencé. Bon bah du coup, la technique est complètement foireuse. Il aurait fallu que je change de véhicule, je pense, pour faire ça. Donc là, j'ai des nouvelles piles dans ma manette. Donc bah écoutez, on y retourne. Et on essaie de voir ce que ça dit, de voir à combien on est. Hein. Si on est un peu proche, s'il nous manque 2 secondes, on va regretter. Mais on verra bien. À mon avis, il va nous manquer beaucoup plus. Hein. Mais ça, je peux pas trop le savoir. On va checker un peu le temps. Puis on verra bien ce que ça dit. Alors en fait, je vais essayer de passer ici. Bah écoute, c'est pas pire que par autre part, apparemment. Bon, là, c'est où on a fait demi-tour, donc c'est... Ah oui, en plus, j'avais pas pensé, mais là, du coup, le terrain est déjà complètement défoncé, en fait. Parce qu'on a déjà fait demi-tour une fois en plein milieu, là. Et oui. J'avais pas pensé à ça. Donc là, vaut mieux passer à gauche, hein, de ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. À gauche de l'arbre, là. Pour l'instant, il me semble bien que c'est lui qui s'en sort le mieux. On est à 1,24. Alors, je suis pas sûr. À mon avis, on ne sera pas assez rapide sur la dernière partie. Mais toujours est-il que sur celle-ci, c'est quand même lui qui s'en sort le mieux, en vrai. Hein. Mais là, on peut même utiliser un peu le treuil, non ? Juste le temps de remonter sur la partie un peu plus dure là. Voilà, puis après ça devrait le faire. Et là du coup on est à 2 minutes déjà, ouais c'est ça. En vrai je sais vraiment pas du tout comment on fait. Hein. Parce que là en 1 minute, même sur une route nickel, il n'arriverait pas à faire cette distance là sur 1 minute quoi. Donc ouais c'est compliqué quoi.
C'est un peu compliqué, hein. Est-ce que le véhicule, le mastodonte, là, est-ce que vous pensez qu'il va plus vite que lui? C'est pas dit, hein, on est à quoi? 2,24. 2,24, ça va être très compliqué, là. Hein. Parce que là, on tend, il a une partie rapide, mais le problème, c'est que lui, il est pas rapide, quoi. Là, il est à fond, quoi. On va voir si on est mieux qu'avec le Marshall déjà. Avec le Marshall, on était à 4 minutes, je crois. Hein. Oh là là, ça donne envie de pleurer, quoi. Oh. On est passé pile sur les rondins. Je pensais pas que c'était possible. Hein. Oh là là, puis si c'est lent. Ouais, là, faudrait qu'on soit carrément plus rapide, quoi. 4 tonnes. Est-ce qu'on fait plus de 4 tonnes ou pas? Non, tu vois, ça passe large. On aura peut-être l'argent. Ouais, 3,17. Ouais, ouais, on est mieux. On est beaucoup mieux, hein, déjà, mais on n'est pas encore assez rapide. Bon, bah écoutez, hein, je vais ramener peut-être... je vais faire un petit test avec le mastodonte pour voir. Donc, je reviens avec. Et puis, on regarde ça ensemble ensuite. Bon, ça y est, j'ai ramené le Taiga. On va voir ce que ça donne. On va utiliser la technique du... je roule avant de lancer le défi. Je sais plus sur quoi on doit cliquer. Ah, c'est bon, je crois que c'est ok. Ouais, c'est bon. Donc, allez, on est parti avec de l'élan. Ah, bah super, déjà j'ai pris des dégâts. Il était pas complètement pété. Non, j'ai déjà les suspensions un peu pétées. Donc là, on est sur un truc plus rapide que le Zik. Par contre, je sais pas si ça va marcher correctement dans la boue. Mais bon, ça... normalement, en tout cas, on a mis les pneus boue. Donc, en théorie, ça devrait marcher sur la boue. Après, on va peut-être tenter un move en utilisant la vitesse lente, peut-être dans la boue. Hein, en vrai, c'est peut-être pas si mal. Faut peut-être pas trop en vouloir. Hein. On va le tenter comme ça. Hein. De toute façon, on le tente pour aller le plus vite possible, hein, en vrai. Bien que je me prenne pas à l'arbre. En vrai, c'est pas si mal. Hein. On va rester en vitesse lente, en fait. Hein. Tant qu'on n'est pas bloqué, en vrai, c'est pas mal. Hein. On pourra peut-être remettre après la vitesse un peu plus rapide quand on arrive juste après le tronc, là. Il y a juste ce passage-là qui est un peu chiant. C'est là qu'on perd du temps, je pense. Je vais essayer de passer peut-être à droite du tronc, là. Là, on va passer en vitesse lente. Parce que de toute façon, en vitesse lente plus, on n'avance pas bien vite. Il faut juste qu'on arrive de l'autre côté du tronc. Et puis, normalement, c'est à peu près gagné, quoi. Enfin, c'est à peu près gagné. On peut repasser en vitesse supérieure à partir de là. Et on va repasser en auto. Dès qu'on sent que ça commence à plus aller, on repasse en vitesse lente. En vrai, c'était pas si mal fait, là. On en est où, là? 2,14. Oh là là, on n'aura jamais le temps. Il va nous en manquer encore un peu, mais ouais, c'est pas dit qu'on fasse beaucoup mieux qu'avec le Zik en vrai. Hein. Est-ce qu'on peut pas se rattraper sur la fin? Ah là, j'ai fait une erreur, j'aurais pas dû repasser en auto. Là, on va essayer de remonter là. Allez, on essaie de pas tomber. Oh, joli. Ah ouais, non, c'est pas bon, hein. C'est pas dingue, hein. Il nous manque quand même énormément de temps. Moi, c'est ça qui me perturbe. Hein. C'est qu'il nous manque vraiment beaucoup de temps pour arriver à le faire en 3 minutes, quoi. Oh là là. Puis là, du coup, ça ne va pas. C'est à partir d'ici qu'on peut vraiment repasser en auto ou pas, hein. Ouais, peut-être par là. Hein. Sinon, tout le reste est obligé de le faire en mode... En mode vitesse lente, quoi. Ou alors, faut qu'on trouve un autre véhicule, quoi. Mais là, je commence à arriver à court d'idées, quoi. On est à combien, là? Ouais, 3,30, hein, encore, hein.
En vrai, je sais pas quoi utiliser là. Hein. Bon, nous voilà avec le Dan ce coup-ci. On va voir ce que ça donne avec le Dan. Même technique que tout à l'heure. Hein. On fait comme ça. On part en mode lancé. Mais c'est pareil, j'y crois pas non plus des masses hein, au Dan. Ça me semble pas incroyable. Je vais essayer, je pense, avec le Western Star après. Je vois que lui qui peut aller dans la boue, mais je pense que je vais rester bloqué dans les passages étroits. On va voir. Hein. Je suis hyper concentré là. Je suis hyper concentré. Est-ce que le chemin, il y a moyen qu'on optimise le chemin? Je crois pas. Hein. J'ai bien vérifié de mon côté, mais il me semble pas. Hein. Mis à part passer en vitesse lente dans la boue, là, je vois pas trop ce qu'on peut... Oh là là, non, c'est pas bon. Hein. Ah, c'est pas bon hein, avec le Dan. Hein. C'était pas du tout une bonne OP, là. Hein. Je peux couper, là. Oh là là, quelle catastrophe. Je crois pas que ça marche. Hein. Là, il est planté, là. Ouais, c'est foutu. C'est foutu, c'était pas le bon véhicule encore, hein, j'ai l'impression. Je continue pas, je fais demi-tour. Hein. On va faire demi-tour, je crois. Je vais rechoper un autre véhicule. Je vais essayer avec le... En vrai, je vais essayer avec le Western Star. Par contre, il est que... Il a pas le... Faut que j'aille en vitesse lente si je veux le blocage du différentiel. Hein. En même temps, s'il va lentement, mais sûrement, c'est peut-être mieux, quoi. Je peux même pas faire demi-tour avec ce véhicule, quoi. Bon, j'ai une petite révélation. Je me suis dit, quitte à prendre un véhicule qui va pas vite, autant prendre un véhicule qui va dans la boue. Donc, j'ai envie d'essayer avec le Tatarin. Est-ce que c'est pas une vraie chance qu'il a le Tatarin de faire ça, là? On va avoir la réponse bientôt, mais il est quand même vraiment pas rapide. On est déjà à 10 secondes là, et on n'a pas atteint le premier point. C'est un record de lenteur, mais d'un autre côté, dans la boue, normalement il devrait passer à peu près de manière ok. Donc c'est pour ça que je me demande s'il a pas une chance de passer en vrai. On va voir hein. 30 secondes déjà pour arriver là. Aïe, aïe, aïe. Si ça marche pas, faudra qu'on trouve une astuce pour la route qu'on prend. On prend peut-être pas la bonne. Hein. C'est ça ma grosse incertitude, c'est est-ce que je passe au bon endroit ? Aïe aïe aïe, ça se passe mal. Oh, c'est pas mal. Si j'arrive à faire ça, en vrai, c'est pas mal. Oh, joli. Bah, en vrai, pour l'instant, il me semble bien que c'est lui qui s'en sort le mieux, du coup. Hein. Là, ça va être le passage clé. Je dois être pris dans un arbre ou quelque chose, là, non? Non, c'est bon. Bah, là, par contre, on est déjà à 2 minutes. Ah, 1 minute 40. Ouais, ok. Donc, admettons, là, y a moyen d'opti, je pense, un peu. Ça va quand même être juste hein, pour passer les 3 minutes, mais... Mais en vrai, pour l'instant, il me semble que c'est celui qui s'en sort le moins mal. Hein. Putain, je vais passer à gauche, là.
À mon avis, il va être léger sur la dernière partie, hein. Parce qu'il doit nous rester 30 secondes, même pas. Ouais, c'est ça. Et en 30 secondes, il arrivera pas. Il est pas assez rapide pour aller jusqu'au bout. Donc ouais, dans la boue, c'est ok. Par contre, après, c'est pas ok, quoi. C'est vraiment chaud, hein. Je sais pas quel véhicule faut prendre, parce que là, autant on peut gagner un petit peu de temps, parce que je suis resté bloqué peut-être 4 ou 5 secondes. Je suis pas sûr qu'on puisse faire beaucoup mieux, hein. On va se retrouver à peu près comme tous les autres, en fait, là. Ouais, c'est ça. 3 à 10, on était à 3 à 13 avec je sais plus quel véhicule. Ok, bah écoutez, c'est pas ça la solution, on est à 3 à 14. Je vais chercher encore un peu et puis on se retrouve pour une prochaine tentative. Bon, Zik, 612H, c'est à son tour d'essayer de nous prouver que ça va marcher. Et en vrai, là par contre, j'y crois un peu. Parce que si j'arrive à rester à fond tout le long du trajet, en vrai, il y a possibilité que ça passe. Mais je sais pas si je peux rester à fond tout le long du trajet. Parce que pour venir, il est passé un peu tout droit. En vrai, il y a moyen que ça marche. Allez, hop, c'est reparti. Je pense que c'est une des dernières tentatives, hein, qu'on fait là-dessus, parce qu'après, j'ai plus d'idées. Donc, tant pis. J'essaierai de mettre mon... Je mettrai mon meilleur temps en... Je mettrai mon meilleur temps et puis on reviendra dessus, hein, si jamais on trouve pas de solution. Ou si jamais vous en avez, je serai ravi de les tester. Allez, est-ce que ça passe là si tu vas à fond? Faut pas qu'il s'arrête. Ah mais j'ai pas vu. Non mais laisse tomber. Zik 612H, deuxième tentative. Cette fois-ci, je regarde la route, hein, parce que sinon ça ne va pas aller. Allez hop, on prend un peu d'élan, on accepte et let's go. Allez, ouais, je commence à être un peu fatigué, ça fait longtemps, hein, que je ramène des camions pour essayer, mais là je vais essayer de me concentrer un peu plus, de moins parler et normalement ça devrait un peu mieux se passer. Donc là je crois qu'on est à fond. On doit être à peu près à fond, il faudrait que je reste à fond tout en pilotant le truc de manière précise pour réussir à passer tout le temps. Dans le marais là, à cette vitesse là. Et ça serait pas mal. Hein. Donc là, celui-là, le tronc, je l'ai vu. La souche, pardon. Évidemment, l'autre, elle est là. Donc je vais passer à droite. Ok. C'est pas mal. Là, il va pas falloir que je me rate. Au pire, on peut tenter un move comme en tatarin. Hein. C'est pas mal, en vrai c'est pas mal. Ah, il s'arrête. Ah, il s'arrête. Après, c'est pas si mal non plus, hein, en vrai. Hein. Ça va, en vrai ça va. Donc il y a juste là peut-être où ça va être gênant. Comme à chaque fois, en fait, à mon avis, c'est là où on perd du temps, où on n'a pas le bon chemin. Personne n'a réussi à passer jusqu'à maintenant, là, tranquillement. Et ben, lui, il passe à peu près. Hein. Pas mal. Ensuite, dernier passage critique, c'est ça. On va passer par là encore, hein, pour éviter le tronc, là. Allez, mon petit... C'est pas mal. On va reprendre ici. Et puis là, on essaie de suivre la route un maximum. Est-ce que je prends le pont? Là, je vais essayer de prendre le pont, mais j'espère que ça va pas me bloquer. Ok, c'était pas si mal. Ah, il nous reste combien de temps là? Ouais, il nous reste un peu plus de 30 secondes. À mon avis, c'est pareil, ça va être juste. Il va nous manquer encore 10 secondes, quoi. Mais bon. À mon avis, là, c'est le meilleur temps qu'on va faire. Ou alors, au moins, aussi mauvais que les autres, quoi. Mais dans l'idée, on s'approche de la solution. Mais par contre, j'ai plus d'idée de véhicule. Hein. On va peut-être s'arrêter de s'acharner sur ce défi et essayer de faire l'autre encore, maintenant que j'ai ramené plein de véhicules ici.
On va pouvoir les tester pour faire la descente également en 30 secondes là. Mais celui-là en vrai, je sais pas trop comment faire. Hein. Je pense qu'on est pareil là. Hein. Ouais, 3 à 11, ouais, on est mieux, mais je vois pas comment récupérer 10 secondes hein, en vrai. Je sais pas trop. Bon bah écoutez, on va peut-être s'arrêter là-dessus hein, pour coureur des marées. On y reviendra certainement si jamais on a une, si jamais j'ai une révélation. Et l'autre était où? L'autre est à l'autre bout, hein, c'est ça? Ouais, c'est courage. Le courage est une vertu. Ça, faut qu'on fasse la descente en 30 secondes sans se prendre de dégâts. On part sur quoi? Est-ce qu'on partirait pas sur un petit taïga? J'avais déjà essayé en taïga, je crois. Hein. On essaye avec le Ford. Ah ouais, l'International Loadstar, il est pas passé. Bah écoute, on va prendre le Taiga, je crois. Allez, le courage est une vertu. Ultime tentative en Taiga pour faire la descente en 30 secondes. On réutilise la même technique que tout à l'heure. On prend de l'élan et on accepte. On aurait presque pu mettre d'ailleurs le l'ATH là. Hein. Le HUD, pardon. Super, j'éternue, je perds mon casque. Est-ce que le temps continue quand tu mets pause? Pas du tout. On était déjà à 14 là? Abusé. 23, non mais c'est mort. Oh, il s'arrête. Oh, mais on est à 36 encore. Oui. Ah, 40. Oh là là, c'est vraiment nul. Le courage est une vertu. Ah ouais, non mais en vrai, on n'est pas bon. Hein. On n'est pas bon. Bon. Alors, ça fait quand même 100%, mais on n'a pas réussi les trucs là. Hein. Est-ce qu'il y a le meilleur temps qui s'affiche là? Non. Hein. Bon bah écoutez, je crois qu'on va se cantonner à l'argent, au moins pour cet épisode, et j'attendrai vos commentaires hein, pour savoir si vous arrivez, enfin, si vous avez une idée pour faire mieux pour ces deux défis-là, coureur des marées, le courage est une vertu. Ok, nickel, bon bah écoutez, on a complètement terminé. Bon, on reste un peu sur notre fin parce qu'on a encore deux défis à faire, mais en vrai, moi j'ai trouvé cette région plutôt pas mal. Bon après, l'agriculture en vrai, c'est pas ouf, hein. Mais sinon, la région en elle-même, hormis l'agriculture, est vraiment pas mal. Bah, dites-moi vous ce que vous en avez pensé, hein, si vous avez terminé. Merci beaucoup d'avoir regardé toute cette saison et cet épisode. Et nous, on se retrouve bah, la prochaine fois pour la suite. Allez, à plus !